Bonjour à tous, c'est John Joden, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on enchaîne les vidéos Anniversary Battle avec le deuxième niveau face à Vegeta et SSJ4, Goku et SSJ4. Alors d'ailleurs à tour de rôle, hein, la manière d'un boss rush, de la même manière que pour le premier niveau, zéro difficulté avec une team qui se respecte, hein, j'ai envie de dire, donc on va pas parler des valeurs ici, ça a peu d'intérêt, ça tape que dalle, vous y allez les yeux fermés, y a pas de souci. Par contre attention, mission, hein, toujours pareil, Rainbow, Super ou Extrême, et pas d'items, les items mémoire ne sont pas comptés, pas de soucis, mais vous en aurez pas besoin, donc c'est pas grave, à part si vous jouez une team comme moi. Voilà, une team, pareil, RP par rapport à ce qui se passait à peu près à ce moment-là, enfin, plus ou moins, vous avez compris, c'est sur la période, à savoir une team Extrême Rainbow. Alors évidemment, avec tous les Néo-God extrêmes qui sont maintenant passés ZTUR, et heureusement, parce que sinon le niveau serait impossible à faire. Avec Rosé en leader, évidemment, Super 6-7, Janemba, Bro, Couleur et Kid Buu. Mais voilà, en tout cas, pour le fun, hein, voilà, comme à l'époque, hein, on sortait les teams Extrême Rainbow, Super Rainbow. Donc là, on n'a pas joué Super Rainbow parce que j'ai pas envie de jouer les persos anniversaires dans ces gameplays-là, parce que je me les réserve pour des vidéos dédiées. Mais en plus, on avait joué Super dans la première, donc là, on joue Extrême. Et vous allez voir qu'une fois de plus, c'est pas si simple que ça en jouant des teams comme ça. Mais il y a moyen de se faire plaisir et de faire un niveau assez sympa. Donc voilà, bah on va pas faire plus long pour l'intro parce qu'il n'y a rien de spécial à dire. Hein, c'est très facile évidemment encore à ce stade. Donc on parle pas valeur, tout ça. On en parlera ça à partir du niveau 4-5 je pense. Et puis on va y aller. Allez, gameplay, let's go. Alors là, bro. Peut-être qu'il va tuer le boss vu qu'il tape très fort, non? Non, je sais pas, non. Janemba qui s'en sort pas si mal en vérité, mais Esquive. Ah, frérot, respecte-moi un petit peu quand même. Oh bro. Bro, est-ce que tu peux esquiver? Est-ce que t'as de l'esquive en fait? Je sais pas. Ah ouais, merci. On va pas me spé devant non plus. Putain, mais je fais même pas si ça va. On tanque les autos avant l'attaque avec 140k, donc ça va, ok. Rosé, enfin post-attaque, ça va, c'est cool. Après, si je prends le spa à la fin, je suis quasiment mort, mais... Cool, faut crit. Alors, en vrai, on peut le tuer, là. Vas-y. Ah, quoique, non, on peut pas le tuer. On peut pas le tuer, je reviens en arrière, on peut pas le tuer. C'est mort. Enfin, si, en vrai, on aurait pu le tuer. Si Couleur avait crit, re-spé, machin, mais non. Non, Kid Buu qui va régen, mais bon... c'est pour bouffer l'aspect derrière, ça va pas trop servir. Pas de spé, ok, nickel. Je crois qu'on va regarder Janemba. Hein. Parce que Rosé, à mon avis, en spé, il va décoller. Hein. Bon, là, vas-y, Goku, tu peux spé si tu veux. Hein. Vas-y, franchement, fais-toi plaisir. Tu peux y aller. Hein. Super C17 est prêt à t'accueillir. Tiens, mange. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh là là, la double spé, mais arrêtez-le, je vous jure, arrêtez-le, il est trop fort. Il est vraiment trop fort ce perso. Arrêtez-le. Le moment pour Broly d'annihiler le boss. Ouais, la Ruta est pas ouf. Est-ce que ça serait le moment pour Broly de servir à quelque chose? Parce qu'il servira plus jamais à rien dans ce jeu. Ah ouais, l'aspect avant. Enfin, bon, tu m'iras avant ou après, c'est pareil, mais... Ah, ça va, putain, on a pas pris tant que ça, en vrai. Eh vas-y, bro, vas-y. Allez, vas-y, montre-lui un peu. C'est bien, encore. Oh là 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 là, Broly, mais... Ah, oui. Bon, hop. Bro. Voilà, vous êtes prêts? Vous avez vu Broly et SSJ3 aujourd'hui? Vous êtes prêts? Vous le reverrez plus jamais. Voilà, plus jamais. Terminé. Ça n'arrivera plus. Vegeta, tu dégages. Ah oui, 37k quand même sur le Super 6-7.
Là, ça fait mal, hein. Oh, mais Super C17, mais arrêtez-le, je vous jure, arrêtez-le. Et on va, attendez, c'est pas fini, hein, parce que Janemba va faire 0 dégâts. En vrai, c'est pas fini, hein. Janemba va taper 0. À part s'il crie. Ah, bah voilà. Bon, bah, en fait, c'est fini. Mais si Janemba avait pas fait de dégâts, qu'il boue derrière, je suis pas sûr qu'il terminait. Une touche P, bon. Incroyable. Et voilà, c'est parfait. Le niveau 2 avec une team Neo God extrême. Évidemment, on aurait pu faire pareil avec la Neo Super, mais on varie un petit peu quand même. En bah, limite, en Super, ça aurait été trop facile parce que les SSJ4 tapent comme des fous. Alors que l'extrême, en fait, bah. En fait, à part couleur qui tape. Bah, en Broly, ok, mais enfin. Voilà, mais enfin, ouais, c'est vrai que c'est pas fou quand même. Hein. En Super, les SSJ4 s'arrachent la gueule. Hein, donc.